1948, ou encore Chalon, qui là, ses étudiants, ils ont décrit comme quoi les éléments qui interviennent au niveau d'une communication. Ils sont bien sûr émetteurs, qu'on peut appeler aussi destinateurs, et un message va être transmis sur un destinataire. Si je dis en premier le destinataire, c'est un émetteur, et vous avez bien sûr le destinataire qui est le receveur qui va recevoir le message. Bien sûr, avec l'avancée de la science, etc., on est allé bien à ce qu'on a eu une réflexion qu'on a fait observer sur le feedback. Donc, j'ai donné un premier but, et voilà, le point de son nom. Je vais bien sûr survoler ces concepts, comme je viens de le dire, parce qu'il va y avoir un travail de groupe, des ateliers, et vous allez vous-même définir comment vous concevez les trois entités qui sont bien sûr la communication, l'éducation et... Donc, introduction, je vais grosso modo introduire ces concepts IEC. On va finir rapidement pour que je vous dis. Information, éducation, communication. Il y a les éléments clés du concept IEC et bien sûr les objectifs de l'IEC. Donc, comme vous le savez toutes, peut-être tous parce que vous êtes plus dépendants de moi que je représente le docteur Popé, mais toute l'information, l'éducation et la communication sont des composantes fondamentales de la politique de la population. Parce que si vous en pensez bien, l'UEC n'est pas fait spécialement pour la santé. Donc tous les domaines ont oublié l'UEC. Ce n'est pas spécifique à ce qu'on appelle la santé. Et pas spécifique aussi à la planification familiale. Parce qu'on peut bien utiliser dans des campagnes de vaccination, des campagnes pour éliminer des maladies, la transmission et des légumes. Donc, ce n'est pas spécifique. L'essentiel, son but, si vous voulez, c'est de faire à ce qu'une population donnée change de comportement. C'est un problème d'attitude. Il faut faire que ces attitudes changent. Donc, on essaie de partir du mal vers le bien. C'est des gens qui ne savent pas prétendre. Parce que, comme le dit bien un proverbe africain, le problème qui se porte, c'est quand les gens ne savent pas qu'ils ne savent pas. Parce que tant qu'ils savent qu'ils ne savent pas, c'est une bonne chose. Donc, si on ne sait pas, qu'on ne sait pas, c'est ça le problème. Donc, l'initiative est suivie, comme je vous ai dit, de se faire pour garantir l'efficacité de ce message. Comment convaincre une femme si nous-mêmes, on n'est pas convaincus? Comment vous allez l'aider? Parce qu'on va parler demain avec Madame Bessin, conseiller, etc. On va tout de même parler du programme et les buts et les objectifs de la planification familiale. T'as souligné pas d'enfants avant 20 ans, après 35 ans, un espace moins, etc. Tout ce qui peut. Donc comment arriver à convaincre ces femmes? Et c'est pas d'abord à vous d'arriver à convaincre. Si nous-mêmes, on n'est pas convaincus, comment voulez-vous qu'on arrive à convaincre les autres? Donc, de ce fait, pour garantir l'efficacité, les activités EC, un suivi régulier et une évaluation systématique à l'aide d'indicateurs appropriés. Donc, comment ça va? Si hier, le taux de natalité de X, 3,7, 3,10, pour 1000, comment le sera avec un travail, avec une évaluation? Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on est arrivé? Parce que chaque fois, il faut qu'il y ait une évaluation pour pouvoir arriver à un résultat. Donc, l'UC est un domaine relativement nouveau. Je vous ai déjà dit, c'est quelque chose de récent, ce n'est pas vraiment quelque chose d'ancien. Il n'existe aucun modèle théorique ou conception susceptible de permettre la mise au point d'indicateurs. Actuellement, quel que soit, aussi bien au niveau de la santé qu'ailleurs, on ne peut pas vraiment dire voilà des indicateurs, on se passe sur tel indicateur pour dire que ça marche ou ça marche pas. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur ces concepts, et c'est parce que je prends globalement, il n'y a pas les entités, les trois entités que composent ce concept IEC, mais on n'a pas vraiment des indicateurs pour pouvoir porter un jugement pour une évaluation qui est précise. Donc, mieux d'appuyer aux approches IEC. Avec le temps, quand on a commencé au niveau du 13e sommet de l'éducation pour la santé, qui a été tenu à Ouzou, là, on a commencé à dire pourquoi ne pas appliquer ce concept à la santé. Et donc, le but et son objectif, c'est de modifier le comportement. Je vais vous dire une chose,
concept d'un pays d'Afrique, on ne dit pas le concept de l'échec, on dit de savoir c'est. Vous allez me dire c'est quoi c'est. Je vais vous dire c'est la communication pour le changement de comportement. Donc, dans certains pays d'Afrique, ce qu'ils utilisent, c'est plus d'avoir c'est que lui, c'est pour vous dire que c'est pas la même chose. Donc, il permet un changement de comportement des personnes pour le bien-être. Bien sûr, on ne va pas changer le bien-être par le mauvais. Donc, on essaiera bien sûr de changer par un bien-être. Donc, le concept du c'est, je le dis, je le répète, j'essaierai surtout de survoler parce que vous allez avoir un point aussi des présentations par Mme Stanley, etc., qui va vous parler de ces concepts. Donc, le concept IEC global, c'est quoi? C'est une idée d'utilisation très récente. Il est composé de 6 interventions qui sont programmées et globales. Actuellement, si on a programmé des séances de formation continue, etc., au niveau des structures hospitalières, c'est une façon à faire acquérir à nos sages-femmes un savoir-faire. On ne peut pas dire un savoir-être. Comment se comporter? Parce que je sais très bien. C'est ce qui se présente. Ça, c'est quoi une planification immobilière. Tout le monde sait comment faire l'UUT, c'est ça. Mais c'est comment arriver à convaincre les personnes. Et c'est ça le problème. Comment arriver à convaincre les gens. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui interviennent. Vous le savez aussi bien que moi. L'obstacle, il y a le côté, il y a la crainte, il y a le côté religieux. Il y a le côté, je garde la maison, il y a le côté, même les autres, c'est comment arriver à convaincre, à sensibiliser ces personnes, comme il faut quand même, il y a certaines limites, ne pas avoir d'enfants avant 20 ans, c'est selon bien sûr, ça c'est selon l'OMS, ne pas avoir d'enfants avant 20 ans, après 35 ans, il faut qu'il y ait quand même régulé ses naissances, il faut qu'il y ait un espacement dans les règles, etc. Tout ça, c'est vrai que vous le connaissez, mais comment le transmettre aux personnes? Comment leur dire attention? Comment faire pour ne pas vous risquer votre santé? Il faut peut-être se continuer dans tout ce qui est... Bon, si on diminue le tournant de la vie, c'est une bonne chose, surtout pour les pays en voie de développement, les pays sous-développés qui vivent vraiment des désastres pour ne pas dire autre chose. Mais c'est aussi, il faut y penser aussi à quoi? À la santé maternelle et infantile. Et c'est ça, c'est encore ce qui est important. Donc, ces trois concepts qui sont des utilisations très souvent, c'est une intervention, et qui constituent qu'on peut appeler composantes ou entités. Ces entités ou composantes qui sont l'information, l'éducation et la communication ont un rôle décisif pour consolider ou changer les sociétés. Consolider chez des gens qui ont déjà changé le monde, qui ont dépendu de eux. Bon, mais pour ce qui est un changement, c'est des gens qui ne savent rien du tout et qu'on essaie de sensibiliser à la planification familiale, à leur dire, si vous donnez votre santé, si vous donnez ceci, vous êtes un donneur, ça va, sachez que vraiment, il ne faut pas être là. Il ne faut pas avoir, comme on appelle, des grossesses non désirées, quelque chose dans le genre. Ok? Donc, bien que ce soit complémentaire, c'est d'avoir entité ou encore composants qui sont communication, éducation et information, parce que transmettre un message, donc communiquer un message, et l'information, et bien sûr, bon, quel bien qu'elle soit complémentaire, chaque entité a sa propre signification en fonction de l'objectif qu'elle vise à atteindre. J'ai dit, je répète, toujours, on essaie de se dévoiler parce que vous aurez un travail sur ça. Donc, l'information, ce qui est composante, qui comprend quoi? Elle comprend la production et la diffusion des informations. C'est produire une information et pouvoir aussi la diffuser. Des questions générales et techniques ont envie de sensibiliser. Parce qu'on ne doit pas s'arrêter. Parce qu'au niveau, par exemple, du ministère, notre ministère, c'est un tuteur, au niveau de la santé, on essaie, parce que c'est pas vrai que tout le ministère, l'éducation, le ministère, la chefferie du Goulou, etc., est-ce qu'il faut qu'on les sensibilise dans un premier temps? Parce que si on est au niveau du ministère, qu'on doit sensibiliser. Donc, les autorités politiques, etc., peuvent entendre, sensibiliser. En vue de sensibiliser son parti, les administrateurs, les enseignants et l'adage public au sujet du développement important qui sont aperçus
concernant la situation de population et la politique menée dans un pays. Ici, si vous avez vu, je ne suis pas, je n'ai pas ciblé le côté planification, c'est en général. Comment prévenir des maladies à transmission directe? Comment faire que dans un endroit X, toute la population doit être vaccinée? C'est ça la question. Donc, on peut intervenir tout le monde. Parce que demain, si j'ai envie de faire une campagne de vaccination, je dois avertir et le maire, et les mêmes, vous mettez pas dans sa chaîne, vous mettez dans sa chaîne, vous mettez la vaccination, etc. Tout le monde doit être informé, doit être sensible à notre cas, sinon vous ne réussirez jamais, parce que c'est ce qu'on appelle ces gens-là, surpopulation. De première cible, c'est ceux qui se font peur. Deuxième cible, c'est nos alliés qu'on doit sensibiliser. Si demain, comme le maire, le maire, au X, je me donne ça. Le projet qui t'aime dans la prévention de la vaccination, mais même grand, parce que c'est pas facile. Je vais parler demain de l'hospitalité, de la stratégie de l'UEC, c'est pas facile de, du jour au lendemain d'organiser une campagne de vaccination ou de la groupe prévention, de dire demain aux gens attention, la perceptique demande le pouce en s'en fait. Donc, l'espace les administrateurs, les enseignants et le large public au sujet des développements importants qui sont apparus concernant la situation dans le pays. Donc, pour ce qui est d'éducation, cette composante concerne la participation de comment permettre aux gens en faire passer l'argent, comment ils vont apprendre, etc. En but d'aider en tant que prestataire de services, nous, on va fournir des services à une population, un auditoire. D'accord ? C'est les personnes qui vont assister à ce qu'on leur va expliquer. D'accord ? C'est ça. Donc, l'histoire va prendre décision. Il faut nous arriver à convaincre ces personnes à dire voilà, puisque ces gens-là, ce qu'on appelle les auditoires, c'est les personnes, c'est le groupe de personnes qui vont assister et qui vont assister à votre communication, tout ce que vous voulez, et pour qu'elle change d'attitude, vraiment, vous devrez être convaincant. Si vous n'êtes pas convaincant, carrément, personne ne va vous croire. Et donc, c'est pour ça, il faut que nous-mêmes soyons convaincus. Si on n'est pas convaincu, soyez sûr que vous n'arriverez jamais à convaincre qui que ce soit. Donc, de prendre une décision nationale en connaissance de cause. Parce qu'il faut que les gens sachent leur bien. Pour pouvoir leur faire changer d'attitude, changer de comportement, il faut qu'elle soit convaincue. Oui, c'est ça. Quel, au lieu d'avoir le temps de raison, nous ne se disons pas, etc. Donc, à long terme. Pour ce qui est d'éducation du jeu, c'est une composante qui peut être exclue par le pays du secteur. Donc, des enseignements de type formel, pourquoi doit-elle, tels que les organismes sociaux, les cours d'enseignement ou des formations continues. C'est pour ça, quand je vais, alors, ce qu'on est en train de faire, c'est la formation continue. C'est-à-dire, on arrivera bien sûr à vous donner des choses que, disons, vous n'avez pas pu acquérir lors de votre formation. La communication, c'est une composante et un processus planifié qui est destiné à encourager les patients à adopter de nouvelles attitudes ou de comportements à utiliser des services disons. Je dis, je répète, la communication, partant du principe qu'elle n'est pas dans notre cours d'aujourd'hui, elle n'est pas spécifique à la pratique de son familial, je vais dire une chose. Vous avez à citer, il y a déjà des gens qui parlent de stratégie. Vous savez, à un moment donné, concernant le problème des déshydratation, les campagnes qu'on faisait en télévision. Les campagnes qu'on faisait en télévision pour la vie. Bien sûr, il faut jouer sur ça, parce que le rôle en fin de compte, ça ne reste pas simplement notre rôle en tant qu'équipe hospitalière. Ça, tout le monde, je crois, s'impliquer. Il y a la place, etc. Même si le sport est comme la télévision, il faut choisir le bon moment. Avec un sport meilleur qu'un sport qui va toucher un maximum de personnes, c'est celui qui précède le 20h. Le 20h, c'est les informations de l'union. C'est le meilleur, c'est le plus cher. La télévision, et là, sport, c'est le meilleur. Et là, il y a des, bien sûr, c'est pas le 20h. Donc, elle s'appuie sur une analyse, donc on va analyser les préoccupations des groupes de personnes, des besoins, des travailleurs.
et de parler entre, bien sûr, quand elle n'est pas toujours des croyances. Donc, toujours dans le cadre de communication, elle encourage le dialogue qu'on peut également appeler communication en tout sens. On n'est pas censé détourner le tout, donc il peut que la communication soit bidirectionnelle. C'est ce qu'on appelle le retour ou le feedback. Il faut que on sait parler, qu'on mette à l'aise la femme de l'homme, qu'on mette à l'aise quand il doit, s'il y a beaucoup de femmes, il faut les mettre à l'aise, etc. Vous parlez de tout ce qui s'en suit. Ce processus est particulièrement efficace quand il combine pas son plastique, les têtes de l'ancien idée de l'os, et là, j'ai parlé de l'os, j'ai parlé de la presse écrite, la presse elle est parlée, la presse de tout ce qui est télévision, tout ce qui sans se dire, tout le monde est parti prenant. Il faut que tout le monde soit parti prenant pour arriver à transmettre ce message. Ou bien, tu vas te donner les médias qui ont la télévision, etc. La radio du Scoulet, ou là, elle est critère personnelle, comme je vous dis, entre un émetteur et un récepteur. Et tout cela doit être soutenu grâce à des documents d'appui, un ministre. Parce qu'à un moment donné, si on veut en faire, toujours on se met là, quand vous prenez des vitamines, on vous met la main, les affiches de notre jeune, et les 5 ajouts de vitamines. Je me rappelle un temps où on disait pour assurer un bon accueil aux malades, un infini, tout ça, donc les maisons qui jouaient sur les affiches, affichettes, c'était des petites affiches, et tout ce qui en suit, toujours sensibiliser les gens pour accepter ce qu'on essaie de passer. Bon, maintenant on va passer aux éléments clés du concept IEC. Je disais pas toujours le grand concept en lui, le grand rendement. Donc, dans le cadre d'une approche multidimensionnelle, le concept IEC en tant que structure, par exemple, c'est un outil fondamental d'information en matière d'emploi. C'est-à-dire, pour passer l'information, pour passer un message, il n'y a pas mieux que l'IEC. Il n'y a pas mieux qu'IEC. C'est le seul message qui va nous permettre de commencer à transmettre. C'est le seul concept qui nous permettra de transmettre à bon escient notre message. Ce concept contient une série d'éléments qui se complètent dans toutes les étapes de la mise en œuvre de la stratégie d'information, d'éducation et communication. J'ai une information, d'accord? Pour pouvoir changer un comportement, je dois la communiquer. Donc, vous savez, donc, les enveloppes, donc la communication, c'est le lien entre, pour arriver bien sûr, entre le malade, si vous voulez, si on le considère malade, mais dans notre cas, c'est autre chose, et bien sûr, et entre un émetteur comme nous-mêmes, vous êtes des émetteurs. Donc, l'IEC est l'une des composantes principales du programme national de population et de la politique de population juive. Actuellement, les gens, à chaque fois au niveau de notre ministère, de notre ministère, recourent à chaque fois à l'IEC pour quand même arriver à jouer un rôle dans la sensibilisation. Avant, on ne le faisait pas. Mais maintenant, comme je vous ai dit, avec ce concept, quand on a trouvé qu'il y a beaucoup de points positifs, qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois, on va recourir ce concept pour mettre des messages et les transmettre à la population. Il est considéré comme l'un des outils qui peuvent aider à la réalisation des changements et le renforcement des attitudes soumises. Donc, il y a quand même des changements. Changements, les gens ne savent pas. Là, on essaie de faire qu'il y ait un changement de leur attitude. Mais les gens qui savent déjà, c'est plus un renforcement. Du coup, quand je n'y parle, c'est plus, on essaie de changer une attitude. Parce qu'on ne sait pas encore. C'est tout, c'est pas jamais. Parce qu'ils ne disent pas que la politique s'est coupée de la campagne, et que nous, il y a
Ça, c'est des gens qui savent, mais qui se trouvent devant des obstacles vraiment qui n'arrivent pas à accepter la chance par eux-mêmes, mais tout ce qui vient sur la carte à population cible de croisière et de Béranger, bien sûr. Dieu sait se baser essentiellement sur des besoins déterminés, dont il va bien définir, sensibilisant et information vers le domaine. Bien sûr, si je prends Dieu, c'est bien le jeu de Saliou, bien le Grégo, vous êtes un homme étoile bien défini. Vous êtes des sages-femmes et vous connaissez d'où vous passez un message. Tout le tour, je pense, à la fin, quand ça, vous essayez de passer un message, il est comme un tour. Il a la lune, j'ai appelé un homme étoile, comme conseil une population déterminée, c'est une population comme conseil de sages-femmes, auquel je vais leur passer un message pour leur dire qu'une AEC, elle est très importante dans le comportement quotidien avec les femmes qui se présentent chez vous. D'accord ? Donc, les derniers trois placements, ces conséquences sont de la réduction, y compris la plainte sanglante, genre et bien travail, environnement et bien sûr développement durable. Ils sont faits d'ici demain, vous aurez encore d'autres interventions sur UEC et tout ce qu'il y a, bien sûr, la salle. L'identification des besoins qualitatifs nécessitait la raison d'étude pour arriver à faire un message, parce que avoir un message, c'est ça la question. Quel est le message ? On n'a pas, on n'est pas dépositaire de message. Il faut qu'on ait d'abord un message. Au niveau du monde ministère, actuellement, il y a un besoin. Comment on a brisé ? Parce que si je venais là, ce sont des objets d'étude, si vous voulez. Ce ne sont pas brisés seulement en matin, ce sont brisés un peu partout. Parce que notre ministère pense qu'il y a un besoin. Il y a un besoin, il y a des taux de mortalité qui sont très importants, il y a un taux de mortalité ou de la morbidité qui est élevé. Moi, les gens se disaient, bon, attention, si on était, parce qu'il y a comme des études statistiques, ça, ils se disaient, il y a 2% de qualité. Et dès du jour au lendemain, il y a une augmentation. À quoi est dû? Ces gens-là ont essayé d'analyser et ils ont pensé peut-être que. Nous sachons au niveau des PMI, si vous appelez encore ça PMI, parce qu'ils sont maintenant, c'est pas le SNI, mais c'est, nous, peut-être nous sachons que je ne pas leur corps, je ne pas leur corps, et c'est ça le problème. Donc, que devons-nous faire? Il faut reprendre la chance de tout nous voir en main et faire transmettre à nos maîtres, de faire acquérir le ATC, l'application communale, le mode de transmission de l'application humaine. Si vous pas de connaître, le professeur Gagne. Si tu pas de savoir comment faire du théorie, tu savoir aussi comment convaincre les gens. Et c'est ça le problème, c'est ça le problème. Comment venir de l'idée? Tout le monde. On nous a appris qu'on nous à l'école, on nous a appris tout ce qu'il y a appris, la professeur Gagne, l'idée, etc. Mais peut-être qu'on ne nous a pas beaucoup donné ce qu'il y a. Comment arriver à convaincre nos patients, nos cas, nos. L'étude scientifique répondait si c'est les caractères sociodémographiques qui concernaient, bien sûr, tout ce qui est utile, socio-culturel, que j'ai désigné, attention, on est gauche de notre état, on a aussi dit, bon voilà, il y a un mode de moralité, morbidité, le mode de moralité, tout ce que vous voulez, ils sont en élévation constante, en augmentation constante, pour rapidement intervenir, et quand j'ai joué à haut conflit pour ne pas dire autre chose, pour éteindre ça. Là, avant que ça prenne totalement. Donc, les objectifs du UEC, c'est quoi ces objectifs en fin de compte? C'est augmenter quoi la sensibilisation, faire à ce que les gens soient plus sensibilisés. Il faut que les gens sachent ce qu'ils sont en train de faire. Si ils ne pas simplement les sensibiliser, il faut que les gens soient devant savoir, devant comment dirais-je, la connaissance de ce savoir. Donc, aussi la compréhension, ce qu'on leur demande, qu'elles comprennent ces gens-là, et la volonté d'agir dans toutes les couches de la société. Donc, si pas seulement la femme, il faut que son mari, et il faut que tout entourage doit savoir ce qu'on est en train de faire. De façon que les familles, les couples, les individus, les guides, les hommes de l'opinion, les sociétés militaires, les organisations non gouvernementales, parce que tout le monde, vous pouvez dire, je ne peux pas voir un Jésaïrien, je ne peux pas être un Jésaïrien, je ne sais pas quoi, ou l'association des sages-femmes. Tout le monde est parti
on doit quand même, comment dirais-je, on doit essayer de sensibiliser les gens pour que vous le message. Le gouvernement et la communauté internationale apprécient. Parce qu'en fin de compte, ces gens-là apprécient l'importance. Parce que de la des gens, dans le dernier congrès, le dernier billet à l'émoire de l'OMS qui date du 27 juillet 2017, et on parle encore de la population familiale. Il y a quand même 200 cas, je pense, 224 millions de femmes dans les pays en bas de la France qui ne sont pas d'accord pour la démocratie, etc. Donc on va le voir, ça c'est quand même un objectif qui est écrit par l'OMS. C'est très récent, c'est le 9 juillet 2017. Donc, parce qu'à l'intérieur de la communauté internationale, je parle de l'OMS et de la Nations Unies, tout ce que vous voulez. Tout le monde, attention, parce que c'est des milliards de connaissances, il ne faut pas y donner le compte de ce qui se passe en Algérie. Après, c'est l'importance de la préparation des questions liées à la population et prendre les mesures nécessaires pour aborder ces questions dans les questions de croissance économique soutenue de la gouvernement. Parce que, quelle est la politique qu'on essaie de déterminer? C'est ça. Regarde le baril de pétrole, il y a tel ou tel, tel ou tel son, il y a 40 dollars, 35 dollars, je ne sais pas. On ne prépare 50 000 tonnes de le budget d'État. Mais le budget d'État, c'est à moyen terme pour le budget à long terme, mais si vraiment on ne peut pas niche l'emploi de 400 millions, on a donné la vie, la vie, je sais, je vais citer une vie, je sais, donc. Dès le jour, nous n'allons jamais arriver à juguler ce problème, à juguler ces problèmes-là. De ce fait, la promotion de la santé ne peut certainement pas le discernement du société sanitaire et des conditions de santé. Comme je l'ai dit, tout le monde, et particulièrement les autorités, les associations, je ne sais pas, les maires, tout ce qui est journaux, tout ce qui est, mais aussi, je veux le rendre dans la sensibilisation. La sagesse, la hospitalisation n'est pas absolument. Le message, il faut que tout le monde joue le rôle, parce qu'on doit tous être actifs. Si on n'est pas tous actifs, non, le message ne passera pas. Elle exige donc l'action concertée de tous les intervenants politiques, professionnels de la santé, organisés bénévoles, tout ce que vous voulez. Dans cette vision de promotion de la santé, l'éducation pour la santé doit être vue comme la base de la participation de la communauté, je dis, tout le monde. Merci de votre attention. Bien, merci M. Arsmouth pour la qualité de l'exposé. Il y a beaucoup de concepts, beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui peuvent être tirées au clair. Donc, on va prendre une heure de débat parce qu'on a un peu de temps. Puis, on va passer aux ateliers.